son du vinyle qui revient en force dans l'intimité des foyers. En quelques années, il a reboosté le marché du disque, mais aussi changé sa manière d'écouter. On prend son temps parce qu'il faut après tourner le disque, le rechanger, changer le disque. Donc ça, ça a une poésie peut-être qui plaît. On est dans une société où on court tout le temps. Ça ralentit un peu. On se détend et on prend son temps. Le Discard Day propose chaque année des collections de vinyles d'artistes emblématiques. The Police, Madonna, Duran Duran, enfin, pas mal de choses des années 80, aussi des choses plus récentes, Mark Ronson ou la BO des Sopranos. Une bouffée d'oxygène pour les disquaires qui change la donne dans sa relation au client. Là, on travaille quand même avec des artistes un peu pointus, donc là, la clientèle se trouve aussi un petit peu à la recherche encore d'artistes, de musiciens, et dans le plaisir et la communication, là aussi pour moi c'est fort. Vinyle, CD, streaming, de quelle manière le vinyle prend-il sa place? Qu'apporte-t-il de plus? Beaucoup de personnes l'achètent comme un objet. D'ailleurs, on vend des cadres maintenant, donc c'est le vinyle vient un peu comme une affiche, montrer son attachement à l'artiste, à ce genre de choses. D'ailleurs, la plupart des gens n'achètent pas que le vinyle, soit ils téléchargent le morceau de musique et en plus ils achètent le vinyle, ou le CD et le vinyle. Donc c'est vraiment quelque chose qui va montrer son attachement à l'artiste. Avec un CD en perte de vitesse, le vinyle représente aujourd'hui entre 10 et 20% du marché du disque.